Oui, je veux revenir là à ce que j'ai dit dans la séquence précédente. Donc, j'étais à Moresby avec mon père adoptif. Donc, on était en route pour la France. Et puis, j'expliquais qu'il était en train de se vider de sa force, simplement, parce que... je l'avais sorti de ses relations, je l'avais débranché, en quelque sorte. Alors, ça vient avec un autre corollaire, c'est qu'entre les gens, il y a du passage, il y a du lien, il y a quelque chose qui passe entre nous. Alors, l'exemple le plus marrant, c'est ce qui arrivait justement à Moresby. Comme il ne pouvait pas marcher, il n'arrivait plus à marcher, il était très faible, donc je le conduisais partout en voiture. Et à Port-Moresby, il y avait une espèce de grande route qui descend un peu de la colline vers la mer. Et donc, je conduisais sur cette route. Il était à côté de moi. Et il me dit, va plus doucement. Alors, je lui dis, mais t'inquiète pas, je ne vais pas très vite. Et puis, j'ai l'habitude, je conduis souvent, j'ai l'habitude. Il me dit, non, tu ne comprends pas ce que je dis. Je sais que tu sais conduire, mais... Moi, je me sens mal. Il me dit, moi, je me sens mal. Et toi, tu es à côté de moi. Et donc, tes capacités sont réduites à cause de moi. Donc, tu ne dois pas penser que tu peux conduire comme d'habitude. Tu dois conduire moins vite que d'habitude parce que tes capacités sont réduites. Donc, vous voyez, le passage dont je parlais, le fait que lui était alimenté par les autres, ça aussi, dans les effets négatifs, ça passe de l'un à l'autre. C'est comme ça, par exemple, dans un village au Rocaiva, quand quelqu'un est malade dans le village, personne n'a le droit, enfin, personne n'a le droit, il n'y a pas de droit, mais en principe, les gens ne doivent pas partir du village. Même pour aller au jardin. Quand on va faire pipi, on va très vite et on revient. Parce que la force qu'on a, nous, l'énergie qu'on a, nous, soutient le malade. Quand on s'éloigne, cette énergie disparaît et le malade s'affaiblit. C'est pareil, par exemple, si moi je suis malade, s'il y a une femme enceinte, elle ne va pas venir me visiter parce que ma maladie risque de l'affecter et inversement, le fait qu'elle soit enceinte et qu'elle soit obligée de donner à manger à un enfant pour deux va m'affecter, moi, va m'affaiblir. Donc, vous voyez, l'idée d'être une personne relationnelle, c'est une idée très concrète. Ce n'est pas juste une théorie de la personne relationnelle. C'est vraiment une idée concrète. C'est une manière d'être dans le monde, d'être alimenté dans le monde par les relations qu'on a avec les autres, plutôt que par d'autres choses. Alors, c'est cette théorie-là qui a amené Dumont, en quelque sorte, c'est pas cette théorie-là, mais c'est cette chose-là, cette réalité-là, qui a amené Dumont à travailler en Inde sur la question de la hiérarchie. Parce que c'est vraiment ça la question. La question, c'est qu'à partir du moment où les gens sont dépendants les uns des autres, de cette manière-là, de cette manière presque corporelle, ils forment une espèce de totalité qui doit être hiérarchisée d'une manière ou d'une autre. Ce qui a intéressé du monde dans la hiérarchie de... Ça c'est une réalité qui existe presque partout. Il y a des hiérarchies partout, c'est pas l'Inde particulièrement, etc. Mais ce qui a frappé Dumont, et c'est sans doute ce qu'il a ajouté à la théorie des castes par rapport aux autres chercheurs qui l'avaient précédé, comme Bouglé, par exemple, ou Ockhart, ce qui l'a intéressé, c'est qu'en Inde, les rois sont subordonnés. Il ne faut pas oublier que Dumont travaille
en Europe à un moment où le marxisme finit par dire que le pouvoir est la chose la plus dominante du monde. Hein, c'est Foucault, hein, le biopouvoir, il y a le pouvoir partout, tout ce qu'on fait c'est du pouvoir, c'est la chose la plus dominante, et il n'existe que le pouvoir. Quand on dit bonjour, c'est déjà un fait de pouvoir. Et Dumont dit, ben, chez nous, le pouvoir et la hiérarchie sont ordonnés, vont ensemble. Pouvoir et hiérarchie, on ne peut pas les séparer. Quelqu'un qui a du pouvoir, il est hiérarchiquement supérieur. Il a une grosse voiture, il a ci, il a ça. En Inde, ce n'est pas le cas. C'est ça qui le frappe le plus. Le pouvoir, c'est les rois. C'est des bagarreurs, c'est des guerriers, c'est les rois. Ils sont riches, mais ils ne sont pas hiérarchiquement supérieurs. Les gens qui sont hiérarchiquement supérieurs, c'est les brahmanes. Et les brahmanes, ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ce que dit Dumont dans son travail en Inde, c'est que le pouvoir et la hiérarchie, nous, on pense que c'est le même phénomène. Quand on est occidental, on pense que c'est le même phénomène. Eh bien, en Inde, on voit que ce n'est pas du tout le même phénomène. La hiérarchie, c'est quelque chose de religieux en Inde, c'est la pureté. Hein. Les brahmanes sont plus purs que les rois parce qu'ils ne mangent pas de viande. Alors que les rois mangent de la viande. Mais les rois ont le pouvoir. Donc ça, c'est le phénomène majeur qu'il montre en Inde. Alors, pour parler de Dumont, parce que j'avais envie de parler de Dumont, Dumont était un type assez particulier, très rigoureux, qui a consacré toute sa vie à la recherche. Il avait été, je ne sais pas où commencer, mais il avait été surréaliste à une époque, à la période des surréalistes, bretons, etc. Bataille, il était avec Bataille dans un groupe, Bataille et Lacan, dans un groupe surréaliste à l'époque. Et puis survient la guerre, et il est fait prisonnier au début de la guerre, et il est amené en Allemagne au travail obligatoire. Il était soldat. Et là, je vous raconte ce qu'il m'a raconté, hein, et ce qu'il a raconté à tout le monde, d'ailleurs, c'est pas seulement à moi, mais... il parle allemand, il a appris l'allemand à l'école, donc on le nomme interprète des travailleurs français pour les Allemands. Et donc, il a un problème. Et il arrive à se débrouiller à ce qu'on le laisse apprendre le sanskrit. Donc, il apprend le sanskrit dans cette situation. Mais ça, c'est important, bien sûr, qu'il ait appris le sanskrit. Mais surtout, il disait toujours, ce que j'ai vu en Allemagne, c'est une chose extraordinaire pour un Français. C'est que les Allemands étaient chez eux. Ils étaient vainqueurs. Et les Allemands, quand ils marchaient toujours en ordre. Deux par deux, le même pas, etc., etc. Personne ne les obligeait, mais ils marchaient en ordre. Les Français, les Allemands venaient, ils gueulaient, ils disaient « on va vous battre, on va vous », etc. Ils n'arrivaient jamais à les mettre en ordre. Donc Dumont dit « ça m'a frappé, voilà des gens qui étaient vainqueurs, qui, du point de vue du pouvoir, n'avaient aucun besoin de marcher en ordre. Hein, ils avaient le pouvoir, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et les Français, qui n'avaient pas le pouvoir, ils étaient incapables de se mettre en ordre. Voilà la situation. Ce contraste a été vraiment fondamental pour lui. C'est-à-dire, le pouvoir, finalement... ça a l'air d'être le pouvoir qui fait mettre les gens en ordre, mais ce n'est pas vrai. Chez les Allemands, ils ont le pouvoir et pourtant ils sont en ordre. Ils n'ont pas besoin d'être en ordre.
C'est autre chose qui fait que les Allemands sont en ordre, et pas le pouvoir. Et c'est autre chose qui fait que les Français sont juste incapables de se mettre en ordre. Voilà. Même quand ils sont soumis au pouvoir. Et donc, vous voyez le rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur le Brahman et le roi. Dumont a passé sa vie, en quelque sorte, à démonter cette histoire de pouvoir, parce qu'elle était dominante chez les marxistes, elle était dominante chez Foucault, elle était dominante dans toute cette lignée de sociologie et d'anthropologie. Et Dumont disait, mais non, cette situation, c'est vrai que nous subissons un pouvoir, le pouvoir c'est l'ordre, le pouvoir c'est la hiérarchie, le pouvoir c'est aussi qu'il y a des gens qui n'ont rien, qui sont tout à fait en bas, etc., etc. Mais ce n'est pas partout comme ça. Tous ces phénomènes sont effectivement des choses qui existent dans le monde, la hiérarchie, le pouvoir, l'autorité. Mais tous ces phénomènes ne sont pas toujours groupés ensemble comme chez nous. Donc ça a été quelque chose de très important parce que c'est toute une partie de l'histoire de l'anthropologie, cette espèce d'affrontement entre le marxisme. Aujourd'hui, ça a l'air vraiment bizarre qu'on dise ça parce que le marxisme a disparu corps et âme. Mais le marxisme, l'opposition entre le marxisme et le structuralisme, c'était la base de l'anthropologie pendant ces années-là. Alors à part ça, Dumont, c'était un type, c'était un type très rigoureux. Oui. Qu'est-ce que je peux vous raconter de lui? Oui, un jour, je faisais du ski. Donc je reviens du ski. J'étais tout bronzé, etc. Et je vais chez lui et il me dit, ah, mais vous êtes tout bronzé, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je dis, j'étais au ski, je reviens du ski. Il me dit, ah oui, moi j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait que de l'anthropologie. et c'est vrai, il n'avait pas d'enfant, il a jamais fait que de l'anthropologie. Et il a fait une œuvre. Et peut-être c'est ça que ça prend pour faire une œuvre. Je suis persuadé que c'est ça que ça prend. Moi, je n'ai jamais vraiment voulu faire ça non plus, avoir une œuvre dans ce sens-là. Mais je pense que c'est ça que ça prend. Mais j'ai beaucoup appris avec lui, et je vais raconter encore ça, parce que pour moi, l'anthropologie, c'est une affaire, c'est une vie. Ce n'est pas une discipline intellectuelle, c'est une manière de vivre. Ça a l'air con, ce que je dis là, parce que c'est très banal, mais c'est vraiment une manière de vivre. Et avec Dumont, j'ai appris... J'ai appris à faire toujours attention à la limite de ce que je dis, à la limite de la validité de ce qu'on doit dire. Parce que Dumont, c'était comme ça. Il m'appelait à 8 heures du matin, je lui ai envoyé un texte, il m'appelait à 8 heures du matin, parce qu'il devait attendre derrière son téléphone, et à 8 heures pile, le téléphone sonnait, et « Ouais, non, c'est pas possible ce que vous avez fait là, là, c'est pas possible, là, vous avez écrit ça, c'est pas possible, venez tout de suite !» Alors je m'habillais, j'étais à moitié endormi, etc. Je m'habillais, j'arrivais chez lui et je me faisais pour rien. Il dit, mais pourquoi vous écrivez ça? Vous voyez bien, vous n'êtes pas sûr de ça. Donc on ne peut pas écrire ça. Moi j'étais un type j'aimais les idées faciles, j'étais assez brillant, ça marchait bien. J'étais capable d'avoir des idées comme ça. Dumont m'a appris à justement pas avoir des idées comme ça. Mais c'est quelque chose de difficile à lâcher. Parce que c'est facile, les filles aiment ça. Hein, quand on est brillant, tout ça, c'est facile à faire. Il faut le lâcher. Et Dumont m'a appris à lâcher ça, c'est-à-dire à aller en profondeur, même si c'est moins brillant, même si ce qu'on trouve, c'est pas grand-chose. C'est ce travail de creuser qui est l'anthropologie. Et je lui dois beaucoup à cause de ça. C'était un type qui était toujours habillé en gris, avec un béret. Quand il allait au café, au comptoir, il prenait un petit blanc.
Enfin, c'était vraiment le gars de base, quoi. Le gars de base. Qui creusait. Voilà. Alors, après, il s'est intéressé, pour continuer sur Dumont, donc c'était l'Inde. C'est une grande civilisation. Et là où il a été extraordinaire, c'est que il a donné une sorte d'armature pour penser l'Inde. L'Inde, c'est très divers, il y a plein de choses très différentes, mais la pensée de Dumont donne une sorte d'armature pour penser l'Inde. Il dit, tous les gens se définissent plus ou moins par rapport aux castes. Même quand on est contre les castes, on se définit par rapport aux castes. On ne peut pas se définir autrement en Inde que par rapport aux castes. Même les tribus, ce qu'on appelle les tribus, l'Inde tribale, se définit aussi par rapport aux castes. On ne peut pas échapper à ce poids énorme de cette civilisation dans des castes en Inde. Et si vous lisez Dumont, et je vous conseille de le lire, vous verrez que c'est un type très pondéré. Justement, là, il creuse toujours, c'est très pondéré. Ses affirmations sont toujours très limitées. On fait de lui un type qui a des grandes idées générales sur ça et sur ci, mais ce n'est pas du tout ça. Quand on lit Dumont, on voit qu'il dit « oui, mais je dis ça, mais ce n'est valable que dans certaines limites et dans certains moments, et, etc. Et ça ne marche pas avec ça, mais ça marche avec ça, et ça ne marche pas du tout, là, etc. » Donc, c'est... les attaques qu'il y a eu contre lui sont des attaques relativement générales, où on a fait une sorte de caricature, et on travaille comme ça beaucoup en anthropologie, on fait une caricature d'une théorie, on attaque cette caricature, et on dit « ah ben c'est nul ». Mais quand on lit le travail, on se rend compte que en fait, les gens sont beaucoup plus pondérés que cette caricature, qu'ils font attention, qu'ils ont vu des problèmes. Et bien sûr, il y a des problèmes. On n'arrive pas à éliminer tous les problèmes. Bien sûr, il y en a. Ils les ont vus. Ils les ont pris en considération, les ont évalués, ils en ont parlé. Et ils ont jugé quand même qu'on pouvait continuer avec une certaine position. Après, on peut critiquer ça, bien sûr. Mais c'est très rare, les anthropologues, qui sont des déménageurs, des gens qui foncent dans le tas. C'est pas vrai, on fait toujours très attention, on se rend bien compte que ce qu'on dit, c'est valable que dans certaines situations, c'est valable peut-être, c'est quelqu'un qui vous l'a dit, mais ça veut pas dire que tout le monde pense comme ça. C'est ça l'anthropologie, il n'y a pas de généralisation, on parle avec un type, il vous dit quelque chose, oui, c'est lui qui m'a dit ça, mais l'autre, on va lui demander, il va dire autre chose, c'est bien aussi. Donc, on est dans cette difficulté de généraliser, elle est vraiment fondamentale, mais chacun d'entre nous, on fait attention à ça, c'est-à-dire on n'est pas des bulldozers, on fait avec la complexité de la réalité, et on essaye de faire au mieux avec cette complexité, mais tout en étant conscient de cette complexité. Et les gens qui lisent Dumont se rendent compte que c'est extrêmement difficile à attaquer Dumont parce que c'est extrêmement précautionneux. Il a toujours pris des précautions, il a toujours dit oui, mais ça, c'est pas valable vraiment, etc. etc. D'ailleurs, il finit son dernier livre sur la philosophie allemande en disant oui, finalement. Je pensais au début, c'est son dernier livre quand même, et la dernière page, il dit oui, je pensais au début que l'Allemagne rentrerait dans cette opposition entre holisme et individualisme, mais je ne suis pas sûr que ça rentre vraiment, peut-être qu'il faut trouver une autre opposition pour rendre compte de ce que j'ai dit dans ce livre. Donc, à la fin de son dernier livre, il savait que ça allait être son dernier livre, il ne lâche jamais. Il n'est jamais, c'est un type qui ne lâche jamais, c'est-à-dire qu'il construit un truc, mais il ne se repose jamais sur ce truc. Il est toujours prêt à remettre en cause. Et il a toujours dit, je suis un chercheur, je ne suis pas un professeur. Et ça, c'est une chose très importante. Un professeur, c'est quelqu'un qui pense savoir et qui enseigne ce qu'il sait. Un chercheur, c'est un type qui ne sait pas. Ce qu'il sait, il le remet en cause. C'est tout à fait différent.
C'est vraiment tout à fait différent. Alors, quand on dit maintenant, la mode, c'est de dire c'est des enseignants-chercheurs, ben, c'est pas la même chose. Il faut vraiment changer de casquette. Être enseignant, c'est asséner des vérités. Être chercheur, c'est dire, ben, jusque-là, j'ai fait ça, mais peut-être que la prochaine question que je vais me poser va détruire l'édifice que j'ai construit. Il faut être prêt à détruire son édifice soi-même. Et c'est ça, être chercheur. Voilà pour Dumont. Alors, Dumont, après, a travaillé sur l'individualisme. Il a fait l'analyse des théories économiques en Occident. C'est une chose très importante parce que les théories... Excusez-moi. Les théories économiques... c'est la montée de la modernité, c'est la montée du capitalisme, c'est la montée de la main invisible, hein, une sorte d'ordre du monde qui s'articule autour de l'argent, du capital, etc. Et il a montré que... cette montée de l'économie était liée à l'entrée de l'individu dans le monde, en quelque sorte. C'est une histoire un peu compliquée. Je ne sais pas si je vais la raconter ici.